C'est sûr que de gagner les deux tournois, ça a été formidable parce qu'on a passé de très bons moments. En plus, le deuxième à Lyon, en France, dans notre public, entre guillemets, c'était très agréable. Donc, vraiment une très très bonne expérience, en plus qui nous met dans de bonnes conditions pour la qualification. Donc, vraiment, c'était vraiment une très très bonne expérience qui va se conclure par le troisième la semaine prochaine. Il a fallu s'adapter sur quelques points. Au niveau des postes, des habitudes qu'on avait plus ou moins au club, là, de faire des phases statiques, mêler les touches pour nous les avants, c'était un peu particulier, mais sinon après ça reste du rugby, une fois sur le terrain, on fait ce qu'on sait faire, c'est ce que nous a demandé le staff des Bleus à 7, donc c'est ce qu'on a fait et ça s'est plutôt bien passé. Après c'est sûr que au niveau du rythme et de l'intensité c'est un peu différent, un peu plus élevé, mais non, ça reste du rugby comme on sait le faire. Et voilà, on a vite, une fois les matchs lancés, on a vite trouvé nos repères de rugbyman. Il y a quand même un gros noyau dur de l'an dernier, un groupe qui vit bien, qui déconne bien. Donc là, c'est sûr que c'est la période estivale où on n'a pas forcément de pression de match ou de tout ça, de championnat. Donc là, c'est le bon moment à vivre. Donc, voilà, j'ai hâte de revenir le 13 pour pouvoir en profiter avec eux, mais ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant, donc ça bosse plutôt bien, il fait chaud, et ça a l'air plutôt dur, mais ça a l'air de bien se passer et j'ai vraiment hâte de